Salut, aujourd'hui on va voir les différents éléments qui composent un drone. C'est mon futur montage. Donc on va du coup résumer les différentes parties du drone. Qu'est-ce qu'on utilise, à quoi ça sert. Donc je vous propose une vidéo assez courte qui va rapidement voir les différents éléments que vous devez acheter pour assembler votre drone. On commence tout d'abord par le châssis. Le châssis, c'est donc un Drakkar de Lethal Conception. Un beau petit bébé que j'ai assemblé, il était en pièces détachées, donc je l'ai assemblé pour la vidéo. Faut dire de châssis, je me suis un petit peu lâché, c'est quand même un châssis dans les 80-90 euros, donc un truc assez haut de gamme, bien léger. Voilà, donc sachant que les châssis, si vous débutez, il y en a à 30 euros sur Banggood et prendre un ZDMR 250, ça fait carrément l'affaire pour votre premier châssis. Donc ici, élément essentiel, le châssis. Ensuite, on passe vraiment au cerveau de du drone avec la carte qu'on appelle aussi FC, la carte de contrôle. Donc c'est elle qui va gérer, qui gère votre drone. C'est bourré d'accéléromètres, de gyroscopes. Et cette carte donc va permettre de commander les moteurs, de recevoir les informations, de les envoyer. Donc un petit bijou de technologie. Donc voilà, cette carte-là, ici, on voit qu'il y a une autre carte en dessous, ce qu'on appelle les ESC. Alors c'est quoi ? Votre carte de contrôle fonctionne en basse tension, c'est du, je sais plus, 5 ou 12 volts. Donc là, c'est vraiment un élément informatique. Pour faire tourner un drone, il faut de la puissance, et ce sont les ESC qui vont donner au moteur la puissance dont il a besoin. Ici, c'est monté en stack. C'est très pratique parce que du coup, voilà, ça prend pas beaucoup de place. Vous avez d'autres types de montage, je prends ce drone là, où les ESC sont placés. On en a 4, voilà, un par moteur. Et alors ça marche très bien, ça a des avantages. S'il y en a un qui crame, voilà, il n'y a pas toute la carte à changer. Vous changez juste l'ESC qui a lâché. On a dit que les ESC, c'était ce qui donnait la puissance au moteur. Ils sont donc directement reliés à la batterie pour envoyer la puissance. Pourquoi avoir fait ce choix de stack? Parce que les bras ici sont très très fins. Donc si je prenais un ESC comme sur ce drone là, ça dépasserait en largeur, donc ce serait pas super, enfin ouais, ce serait pas beau déjà. Les ESC, c'est ce qui va donner la puissance au moteur, donc un par moteur, soit mis indépendamment, de un sur chaque bras, ou alors monté ici en stack. Alors bien sûr, il y a un avantage au niveau câblage, là c'est câblé direct, quoi. Il n'y a pas de soudure à faire, ça simplifie vraiment le montage, et il y a beaucoup moins de câbles aussi, parce que là où il y a quand même un petit paquet de câbles à souder, ça se fait bien, mais bon, voilà, là ça simplifie drôlement le travail. Alors ce sont des ESC 40 ampères. Voilà, ce qui correspond à la puissance de mes moteurs. Donc, la carte de contrôle, il s'agit d'une Diaton Mamba FE405 MK2, voilà pour la référence. Alors surtout, si vous cherchez à tirer les prix vers le bas, c'est sur les cartes de contrôle, faut pas faire d'économie. Malheureusement, ça coûte assez cher, même très cher. Mais si vous prenez du très bas de gamme, moi j'en ai fait l'expérience, en général, voilà, c'est au bout d'un moment où vous regrettez votre achat parce que ça lâche assez vite. Bon, ces cartes-là sont assez connues, sont assez utilisées, donc j'espère que je ne serai pas déçu. Donc la carte de contrôle qui va se placer ici sur le drone. Ensuite, nous avons autre élément très important, les moteurs. Alors les moteurs que je mets ici, qui vont être donc reliés par 3 câbles aux ESC. Là j'ai pris des IMAX Echo 2 série. Ce sont des 2306, donc là ils vont bien faire leur boulot. Ils sont adaptés à ce que je veux faire. Ce sont des 1800 kV. Alors je voulais un drone avec pas mal de couples, donc 1800 kV. Je vais voler sur une batterie 6S, donc ça correspond bien à ce que je veux faire. Donc voilà pour les moteurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? Ensuite, nous avons la caméra. Alors que c'est une Cadix, je sais plus quoi, parce que j'ai perdu
J'ai perdu la notice. Bon, c'est pas bien grave, ça c'est facile à câbler. La caméra qu'on va placer devant. Alors, si vous achetez une caméra, surtout faites bien gaffe à la largeur. Là, celle-là, heureusement qu'elle n'est pas plus large parce qu'elle s'adapte pile à. Ça s'adapte pile à l'emplacement qui est prévu sur le devant. Donc voilà, lorsque vous achetez votre caméra, il y a des drones où l'espacement est quand même plus large. On peut se permettre d'avoir une caméra plus large. Ici, non, il fallait vraiment du mini. C'est pas du nano, mais du mini. Donc voilà, bien réfléchir à ça avant, parce que une fois que vous l'avez acheté, c'est trop tard. Après, donc nous avons le signal qui part de la caméra et qui va être transmis à vos lunettes ou masques. Et pour ça, on utilise un émetteur vidéo qu'on appelle aussi émetteur DTX qui va envoyer le signal vidéo. Alors moi, je suis resté en analogique pour l'instant. Alors cet émetteur, il s'agit d'un Team Black Chip Unify Pro. J'ai le signal qui part de la caméra qui transite ici par cet émetteur. On a une antenne après qui va être vissée ici et qui envoie le signal vidéo à mon masque ou mes lunettes. Donc c'est comme ça qu'on a, c'est cette chaîne là qui permet d'avoir la vidéo en retour. Voilà, donc ce truc là il sera branché quelque part par là avec le petit bout là qui sera mis ici dans le trou qui est adapté. Voilà donc pour la partie vidéo. Lorsque vous pilotez un drone, vous utilisez bien sûr une télécommande. Cette télécommande, vous allez envoyer des informations donc transmises par l'antenne. Et ces informations, il faut qu'elles arrivent à votre drone. Et ce qui va jouer ce rôle-là, c'est ce petit truc-là. C'est un récepteur, récepteur numérique. Personnellement, moi j'ai un adaptateur Crossfire sur ma télécommande, ce qui permet d'avoir un signal bon en toutes circonstances. Ça porte à des dizaines de kilomètres, voilà, c'est largement suffisant pour ce que je vais en faire. Donc c'est ce récepteur qui reçoit donc les informations de la télécommande et qui va les transmettre à la carte de contrôle, qui va ensuite envoyer les informations aux différents moteurs pour que vous puissiez piloter votre drone d'une bonne manière. Ce truc là, ça sera aussi vers l'arrière, j'ai de la place. Voilà, j'ai fait le tour des différents éléments qui composent le drone. Donc on fera le montage les prochaines semaines et je ferai quelques vidéos par rapport au réglage des différents éléments, au montage aussi. Voir un peu comment on monte tout ça, quelle galère on va avoir, parce que il y a toujours des galères. Salut, aujourd'hui on commence avec le Drakkar. On va commencer le montage de ce drone. Donc on va commencer simplement un montage des moteurs. Et puis voilà, la carte FC qu'on va mettre, on va déjà voir comment la positionner. Ma carte, ma Mamba, c'est une 405 je crois, donc qui peut passer exactement ici, donc les coups qui vont bien. Donc je sais que ma FC va aller ici. Alors j'ai déjà un premier problème parce que il y a très épais ici. J'ai pas les vis qui vont bien pour fixer ma FC, donc voilà, déjà premier problème à résoudre. Ça commence. On va s'occuper du montage des moteurs. Donc là, pareil, j'espère avoir les vis qui vont bien. Au niveau câble, j'ai assez de câbles pour aller jusqu'à l'ESC. C'est bien, il ne va pas avoir besoin de faire de rallonge.
Il y a des vis qui sont fournies avec le moteur, mais j'ai des gros doutes. Je peux même pas monter les moteurs. Peut-être me passer des protections. Ah, ça fait 2-3 filets là, c'est pas assez. Ah, je suis 9 mm. 9 mm avec la protection. Donc, voilà, il me faut des vis. Ouais, il faut bien du 12 mm. Donc premier constat, il va falloir faire des achats de la visserie de 12 mm et plus, parce que ici on a plus d'un centimètre. C'est très épais, donc les vis hexagonales que j'ai n'y suffiront pas. Donc il n'y a plus qu'à faire des achats. Il y a donc des vis qui vont me servir certainement pour les moteurs, qui font 1 cm, 11 mm, et moi j'ai besoin de... Ouais, ça va le faire, je vais pouvoir fixer mes moteurs. Bon, bah, les amis de l'étal conception ont bien fait les choses, parce que oui, on n'a pas le vis, quoi. Et ça, alors ça, j'aimerais bien pouvoir fixer ma carte, ma FC, avec... Je vais peut-être pouvoir m'en sortir sans avoir tout à racheter. Ça, c'est top. Oui, j'avais pas vu la visserie, toute la visserie qui était fournie en plus, quoi. Et ben, c'est pas mal du tout. Tac. Oh, c'est beau. Voilà, donc ici je peux voir que ma FC, si je la retrouve, elle est là. Donc oui, il va falloir que je dégage les vis qu'il y a. Voilà, donc ça passe nickel. Je vais avoir besoin d'un petit peu de visserie en rab. Je me trouve des entretoises pour séparer les deux cartes et pour surélever également la carte qui va. Il faut, il me faut des entretoises ici et là, parce qu'il n'est pas question que le C touche le carbone comme ça. Je vous dis pas le feu de joie que ça va faire, on va éviter. Et donc oui, il faut aussi également que j'ai des entretoises ici. Je ne sais pas si j'ai ça dans mes affaires, sachant que il y a peut-être ce qu'il faut là-dedans aussi, hein. Des vis, je pourrais me servir
commencer pouvoir installer la carte EFC. ESC. Voilà, si je fais ça. Est-ce que ça touche? Surtout pas que ça touche le carbone. Non, je pense que c'est bon. Donc on prend du temps au début à trouver les endroits où mettre, ou fixer, ou implémenter. Mais bon, vaut mieux se poser les questions avant. Faire n'importe quoi et tout cramer. Donc là, tac, s'occuper des deux là, tac, le dernier. Hop. Je peux mettre ma petite entretoise. Je vais monter encore un petit peu Tac. Voilà. Alors cette carte, c'est celle qui donne la puissance au moteur, donc les grosses tensions qui vont dessus. En fait, la batterie est directement branchée sur cette carte. Voilà pourquoi il faut surtout l'éloigner du carbone, quoi. Faut vraiment pas que ça touche, quoi. Voilà. Et donc ensuite, qu'est-ce que je fais? Je regarde ce que ça donne avec. Ouais, donc là, pareil, il va falloir que je trouve des entretoises. Je sais pas si j'ai encore assez de vis. En tout cas, bon, j'ai déjà avancé, c'est bien, parce que je vais pouvoir commencer à souder le SC, les moteurs, la batterie. Donc voilà, j'ai déjà de quoi bricoler. Pendant que j'y suis, un truc que j'aime bien faire avant de mettre une carte, c'est au moins voir si ça marche, parce que comme ça je sais si elle est en panne, si c'est de ma faute ou si elle marchait pas dès le départ. Je peux avoir une idée de voir comment ça fonctionne. Ce que je fais, pas cuite, quoi. Donc, je vais la remettre ici. Je vais commencer à regarder du coup comment fixer mes moteurs. Donc on l'a vu avec les vis fournies, et ben ça tombe super bien. Voilà, moteur IMAX Eco 2, ça tombe super bien mais qui fournissent les vis, parce que on a un souci de dimension, parce que le bras est très épais, ce qui est très bien, mais par contre faut avoir la visserie qui va bien. Ouais, c'est pas beaucoup de filet, quoi, mais on va faire avec. J'aurais préféré avoir quelques filets en plus.
il y a trois fils à tout casser, quoi. Voilà. On va fixer notre premier moteur. Voilà, faites comme moi, surtout, que tout soit bien arrangé. Donc on place le moteur pour que voilà, notre câble longe bien le bras du drone. Alors souvent quand on monte un drone, faire gaffe que les vis ne dépassent pas ici. Parce que si vous défoncez la partie en cuivre qui est là, bah, votre moteur il est mort. Donc ici c'est pas notre problème, hein, parce que voilà, on a juste les vis qui vont bien, qui font pile la dimension, serrent bien, pas qu'il y ait de vibration. Tac. Je sais qu'il y en a qui sont pas très chauds pour serrer au niveau de la protection du moteur qui est en plastique, mais bon, c'est pas mal foutu. Donc voilà, moi je vois pas tant que ça tient, moi je vois pas d'inconvénients. Voilà, donc notre premier moteur que j'ai monté de travers. Le câble qui va le long du bras. Voilà. Donc là. C'est bon pour ce premier moteur, on va pouvoir monter les autres. Donc je vous passe la vidéo parce que bon, c'est pas super passionnant. Donc les quatre moteurs sont montés. Ce qu'on peut retenir, c'est que l'étal conception a bien fait les choses, hein. Fournit la visserie qu'il faut. Parce que c'est vrai que c'est particulier, c'est l'épaisseur de ses bras, et pourtant les Echo 2 là, d'IMAX sont fournis avec pas mal de visserie, mais il n'y a pas la visserie qui permet de visser sur des bras d'une telle épaisseur. Donc très bien, ils ont bien prévu le truc, c'est bien parce que ça évite de perdre beaucoup de temps pour des histoires de vis qui vont pas, quoi. Donc je conseille ce châssis, le Drakkar, donc de chez Lethal Conception. Donc les moteurs sont installés sans histoire, donc je vais pouvoir commencer à placer ma FC que j'ai encore perdu. Voilà, donc déjà je peux voir que j'ai assez de câbles. Alors l'idée c'est de faire voilà, on va fixer le câble avec un réalisant ici, et voilà, faut que je prévoie suffisamment large. Je vais pas tout mettre parce qu'après ça fait crado. Prévois suffisamment large pour que ça soit souple, mais voilà, faut pas que ça pendouille, quoi. Donc voilà pour les ESC. Je vais y mettre l'alimentation sans me planter dans le plus et le moins, c'est indiqué là, mais toujours faire gaffe. Pour faire ça avant, ce que je vais faire, je vais étamer les pads. Ce qui va permettre de bien faire prendre la soudure. Donc pour étamer, j'ai ceci. Voilà, c'est un TS100 qui est très pratique, je recommande pour tous vos travaux de soudure. Même si on ne sait pas bien souder, il fait un super boulot. Donc n'hésitez pas, il doit valoir à peu près 50-60 euros, je crois, ce truc là. Mais franchement, il fait vraiment un travail terrible. Il est pas livré sans alimentation, donc faut avoir une alimentation à part de, je crois, 12 volts, quoi, à peu près. Donc, ce qu'on va faire, on va étamer. Donc, j'ai ici les pads des quatre moteurs. Ici, ici, ici et ici. Et l'alimentation est là. Donc voilà, je vais étamer tout ce petit monde. Donc quand vous avez des soudures à faire, hein, sur des cartes électroniques, faites cette manip.
Ça va vous faciliter beaucoup les choses après pour souder les câbles. Alors, ce qu'il y a de bien sur cette Mamball, cette carte-là, c'est que les pads sont larges. Et ça, c'est pas tout le temps le cas. Donc, on a de la place. Donc j'applique le fer à souder sur le pad. Je mets mon étain au niveau de la jonction entre le fer et le pad. Alors faire gaffe de ne pas trop chauffer les pads non plus, parce que vous pouvez les faire se décoller. Donc voilà, insistez pas. Moi je mets mon fer à 400 degrés, donc ça chauffe bien. Ça me permet de travailler rapidement, mais voilà, il ne faudrait pas traîner longtemps sur les pads, parce qu'après on les décolle et on a tout gagné. Voilà. Donc mes pads sont étamés. Voilà, donc si je regarde ma carte, pour chaque pad, pour chaque moteur, j'ai 3 pads. 1, 2, 3. 3 fils, voilà, ça tombe bien. Important, celui, le câble du milieu du moteur, c'est lui qui viendra au milieu de mes 3 pads, au centre de le pad du milieu, quoi. Et les deux autres, on fait un peu ce qu'on veut avec, sachant que ça va déterminer le sens de rotation du moteur. Et le sens de rotation du moteur, on peut le déterminer logiciellement. On le fera par la suite, mais du coup, voilà, je peux faire un peu ce que je veux au niveau du câblage, sachant que voilà, je peux corriger après au niveau logiciel pour déterminer quel est le sens du moteur. Moi, ce que je fais, je mets dans l'ordre, voilà, en faisant suivre les fils pour pas qu'ils se croisent. Et donc, voilà, je vais mettre chaque câble dans l'ordre. Dans l'ordre d'arrivée, surtout celui du milieu, au milieu, le reste, voilà, on s'en fiche un peu, mais là, ça me permet de ne pas croiser mes câbles et de faire un truc sympa, quoi. Donc, je vais couper mes câbles et je vais prévoir assez large quand même pour pas que ce soit trop tendu à ce niveau-là. Voilà, il faut que ça soit souple. Vaut mieux avoir un peu trop de câbles que pas assez, parce que quand on en a trop, on peut couper, pas assez, c'est un peu plus embêtant. On les rallonge et bon, c'est pas propre et c'est galère. Donc, je dénude. Et là aussi, donc, je torsade les fils. Et je vais aussi étamer. Voilà, donc j'ai fait les 4 soudures. Mes moteurs sont connectés à ma carte ESC. Maintenant, je vais m'occuper du connecteur d'alimentation. Voilà, prêt à monter. Avec une prise XT60, donc bien respectée, plus et moins. Également, je vais mettre un condo aux bornes de ce connecteur. Il a aussi respecté bien la polarité. La masse, c'est celui-là, donc c'est à mettre sur le moins. Et je vais le mettre directement aux bornes, le condensateur aux bornes du connecteur. Donc voilà, j'ai constitué la prise XT30 avec mon condensateur. Je vais mettre tout ça sous de la gaine thermo pour pas que les fils touchent. Voilà, je vais bien enrober tout ça. Voilà, donc mon connecteur est prêt. Je n'ai plus qu'à à finir le souder. Les deux soudures fondent. Ça
celle du câble et celle du pad. Ouais, on va dire que c'est pas mal, c'est pas super propre. Je teste. Voilà, quand ça fait ce bruit là, c'est bon signe. Voilà, les ESC qui font cette petite musique là, c'est qu'ils sont bien alimentés, il n'y a pas de souci. Je vois également l'AFC où ça clignote. Donc voilà, c'est déjà c'est assez encourageant. Notez aussi que j'ai en profité là pour monter la caméra, pour la fixer, sachant que il va falloir venir après la câbler sur la carte ici. Alors j'en ai fini avec les ESC ici, donc ce que je vais faire, je vais fixer la carte, je vais mettre des entretoises. J'ai vu que j'avais un lot d'entretoises aussi qui était fourni avec le dracard, et donc je vais utiliser ça pour surélever ma carte et ainsi pouvoir la monter tranquillement. Je vais faire un petit truc pour essayer, histoire de voir si j'ai pas fait d'erreur. Je vais prendre une lipo. Ce que je vais faire, je vais brancher l'AFC et je vais essayer mes moteurs. Voilà, je teste les fonctions une à une, ce qui me permet de voir où est-ce qu'il peut y avoir des pannes éventuelles et à quel niveau ça tombe en panne. Voilà, ça prend un peu plus longtemps, mais voilà, c'est une sécurité, quoi. Là, je vais m'assurer que mes ESF et mes moteurs fonctionnent bien avant d'aller plus loin dans le montage. Donc, je démarre Betaflight configurateur. Donc, je retrouve mon drone qui va bouger. Les axes ici vont bouger en fonction de la position. Je vais dans moteur. Donc là, je vais pouvoir tester mes ESC et mes moteurs. Alors voilà, je vais faire en mode manuel. Toc. Oui, je comprends les risques. Et j'appuie ici sur mettre. Et là, je vois au miracle que mes moteurs tournent. Donc pas de problème de câblage au niveau des moteurs. Voilà, c'est un deuxième test et c'est bon signe. Pas de problème de câblage. Voilà, les moteurs ont l'air de tourner correctement. Là, il tourne. Là, je vais pouvoir arrêter. Voilà. Ils tournent tous dans le même sens. On verra par la suite comment modifier le sens de rotation des moteurs. Alors aujourd'hui, on va parler du signal vidéo sur un drone. On va voir le cheminement que fait ce signal vidéo. Donc j'ai mon drone qui est en cours de préparation. J'ai ma caméra. Et le but du jeu, c'est que le signal vidéo arrive dans mes lunettes ou dans mon masque pour faire du FPV, quoi. Donc ce signal vidéo qui arrive par ces fils, il va falloir qu'il fasse du trajet. On va voir comment ça fonctionne. Donc ici, j'ai mon émetteur vidéo sur lequel je vais mettre une antenne, et c'est lui qui va envoyer les ondes que je vais capter dans mon masque. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Alors j'ai ma caméra, je vais faire un petit dessin, c'est plus simple. J'ai ma caméra, donc qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je vais envoyer directement le signal vidéo ici à mon émetteur vidéo? Ça pourrait se faire, on pourrait envoyer le signal directement sur l'émetteur comme ceci. Ce que filme de la caméra, je l'aurai directement dans mes lunettes. Ça pourrait très bien fonctionner. Nous, ce qu'on va faire, on va le signal de la caméra, on va faire le faire passer par notre carte de contrôle, la carte de contrôle qui est ici. Et ensuite, on sort de la carte de contrôle pour aller vers l'émetteur vidéo.
et de l'émetteur vidéo, on arrive dans le masque ou les lunettes. Alors pourquoi passer par là? Parce que la carte de contrôle va nous amener des données très intéressantes comme l'état des batteries, la puissance consommée, le temps de vol. Si on a si on met un GPS, on peut avoir les données GPS, on peut avoir l'altitude, la vitesse en kilomètres heure. Il y a énormément de données qui peuvent être mises et que la réception aussi, la qualité de la réception du signal, ça aussi ça peut être mis. Donc il y a plein de choses intéressantes que la carte de contrôle va ajouter au signal vidéo, et comme ça j'aurai dans mon masque sous les yeux, j'aurai toutes ces données-là. Il suffira d'un coup d'œil pour les consulter. Donc c'est vraiment super avantageux de passer par la carte de contrôle, ressortir de la carte de contrôle ensuite, attaquer l'émetteur vidéo, et comme ça on a dans le masque toutes ces données qui sont très pratiques. Moi je me sers surtout de l'état des batteries, du voltage de batterie, parce que c'est un truc qu'il faut vraiment surveiller tout le temps, et si j'avais pas ça, ça serait très très compliqué de gérer mon vol. Donc optez vraiment pour ce système là. Ça demande un petit peu plus de soudure, mais franchement c'est super avantageux. Alors maintenant parlons au branchement. Comment est-ce que ça marche? Tout d'abord la caméra. Alors la caméra, c'est simple, on a trois fils, le plus, le moins et le signal vidéo. Donc si je regarde bien mon schéma de câblage, là, oui, alors ici j'ai un 5 volts, GND, la masse et cam pour caméra. Donc ici j'ai bien mon 5 volts, ma masse, je vais pouvoir alimenter le fil rouge sur le plus 5, la masse, le fil noir, et le cam, ça va être mon fil jaune ici. Je vais souder mon fil jaune sur le cam et j'aurai donc ma liaison. Bon, il y a trois soudures à faire, il y aura ma liaison. Caméra, carte de contrôle. Ensuite, on a dit il faut une autre liaison avec. Alors là, c'est un émetteur TBS Unifi Pro de Team Black Sheep. Donc lui, alors il y a un petit peu plus de fils, mais bon, on n'a pas besoin de tout ça. Là aussi c'est pareil, voilà, j'ai l'alimentation fil rouge de 7 à 26 volts, GND fil noir, donc la masse. Donc ces deux là je les mets de côté, ils vont me servir. Ce qui va m'intéresser, moi, c'est le signal vidéo. Et là, on a encore un fil jaune. Ici, il va transiter la vidéo qui vient de la carte de contrôle. Et ensuite, ça passera par l'antenne. Et donc, voilà. Donc, j'ai encore trois autres soudures à faire. Alors, où est-ce que je vais câbler ça maintenant sur ma carte de contrôle? Alors, j'ai un truc qui doit s'appeler vidéo, en fait. C'est tout bête. Il faut que je le trouve. J'ai un truc qui s'appelle vide ici, donc pour vidéo. Alors j'ai un 9 volts, un GND qui va me permettre d'alimenter mon émetteur, donc de mettre mon plus et mon moins. Et le vide vidéo, c'est mon câble jaune que je vais envoyer dans l'émetteur radio. Voilà, donc pour le câblage, c'est pas super compliqué. On peut refaire un schéma. J'ai ma caméra, donc je vais ramener la carte de contrôle dans la carte de contrôle sur cam ici, je l'alimente en 5 volts et je mets également la masse. Tac. Donc 3 fils, plus 5 volts, la masse et mon signal vidéo. Ensuite, je rentre dans ma carte de contrôle, on l'a vu. Je vais ressortir de ma carte de contrôle avec vide ici. Donc vide, ça va être mon signal. Tac. Mon signal vidéo.
Il faut que j'alimente également cette carte, et ça, je vais le faire avec, ici, le 9 volts, qui est donné sur ma... qui est fourni par la carte, et le GND, donc la masse, donc là aussi, trois autres câbles. Il n'y a pas grand chose à faire, mais c'est bien de connaître le pourquoi du comment. Petit rajout sur la vidéo, j'ai oublié de connecter le Smart Audio. Alors le Smart Audio, c'est quoi? Vous mettez les sticks dans une certaine position et ça vous fait rentrer dans les paramètres du VTX. Par exemple, si vous voulez changer les fréquences d'émission ou alors la puissance de votre émetteur. Voilà, et ça se fait par avec le Smart Audio. Malheureusement, j'ai coupé le câble qui est ici, c'est le blanc. Donc je vais le ressouder et je vais le mettre sur alors je sais pas sur un, je pense que c'est sur un RX donc je vais regarder les docs, je reviens tout de suite. Donc voilà, donc maintenant il ne me reste plus qu'à souder. Donc là, en m'aidant du schéma de câblage, j'identifie bien les trois pads ici 1, 2, 3 sur lesquels je vais souder la caméra. De l'autre côté, je les ai déjà étamés, donc le 9 volts, la masse et la vidéo. On va pouvoir souder ça et déjà on pourra faire un premier essai avec le masque, voir si la liaison se fait correctement. Donc on laisse suffisamment de mou. Dès maintenant, si je branche, si je mets sous tension, j'ai ma caméra qui est alimentée et reliée à la carte FC. Deuxième étape, donc j'ai mon émetteur radio. Donc, même topo, on va d'une part l'alimenter. Il est précisé ici entre 7 et 26 volts. Je relie sur une borne à 9 volts. Le jaune, j'ai besoin que celui-là qui va me faire venir le signal vidéo. Comme je ne sais pas comment je l'installais dans le drone, je laisse pas mal de câbles. Ce coup-là, c'est que l'implantation du composant, celle-là, va se décider une fois que tout le drone sera monté. Donc, il ne faut pas que j'hésite à laisser du fil pour avoir vraiment de la place. Vidéo est soudée. Je peux déjà faire un test avant d'aller plus loin. Alors surtout que vous faites un test, branchez une antenne. C'est impératif parce que vous risquez de cramer sinon votre émetteur. Celui-là de chez TBS, apparemment il tient le coup, mais bon, rappelez-vous, quel que soit l'émetteur, mettez une antenne dessus. L'antenne est branchée. On va mettre le jus. Et on va voir déjà s'il y a des LED qui s'allument. Voir si ça vit quoi. Voilà. Donc il est bien alimenté. On va voir s'il y a un signal vidéo avec ça. Alors le tout c'est de trouver la bonne fréquence. Donc j'ai eu A2, A3, A1. Ah, voilà. Ça fonctionne, c'est une bonne nouvelle. Ce que je disais tout à l'heure, on pourra en rajouter dans Betaflight Configurator de genre de petites infos. Là, j'ai bat full. Je rajouterai pas mal de petites infos, celles dont j'ai besoin. On va voir ça tout à l'heure. Ma caméra fonctionne, l'image est pas trop mal sur cette caméra.
j'ai bien mon émetteur qui fonctionne correctement. Il est un petit peu chaud déjà, donc d'où l'intérêt d'avoir, d'avoir 1000 antennes surtout. Et je peux dire que là, la partie vidéo de mon drone fonctionne. Vous avez trois choses à régler, à savoir la bande de fréquence, le channel et la puissance d'émission. Trois choses. Vous avez ce petit bouton ici, là, qui vous permet de faire ça par des appuis successifs. Il y a des LED. C'est pas super intuitif, mais bon, en prenant le bandeau plan, on y arrive. Par contre, une fois que votre carte ici est fixée dans le drone, et donc on va mettre un couvercle à ce drone, on va tout refermer. Une fois que ceci est fait, le problème, c'est que vous n'avez pas accès facilement. Bon, ici ça irait encore, mais bon, vous n'avez pas accès facilement à ce petit bouton. Et vous ne verriez pas les LED, enfin, ce serait un peu compliqué. C'est pour ça qu'on a câblé le Smart Audio qu'on a vu tout à l'heure. Et ce Smart Audio, il va permettre de faire tous ces changements, mais à partir du masque, par des actions sur la télécommande. Et c'est là où c'est top, parce qu'au lieu d'avoir à triturer le petit bouton, vous allez pouvoir directement avec la télécommande aller dans les menus pour régler les différents paramètres. Voilà, il vous faut remplir ce tableau là précisément, parce que sinon ça met un peu la pagaille avec les données du constructeur. Donc je vais pas le faire ici, c'est un peu long. Je vois bien mon URT6 sur lequel j'ai branché le Smart Audio. Donc je vais ici dans l'onglet périphérique à l'autre bout et je me mets sur VTX, et donc il s'agit du TBS Smart Audio. Je sauvegarde. Voilà, donc j'ai fait la manip, j'ai branché mon drone, ma carte est bien alimentée. En faisant une combinaison avec les sticks, alors souvent c'est quelque chose comme ça. Rentrer voilà ici dans le Smart Audio, et ici je peux modifier les paramètres dont j'ai besoin. Donc je vais notamment dans feature VTX SA, alors c'est Smart Audio, VTX Trump TR c'est Trump, donc nous c'est du Smart Audio, donc on va dans le Smart Audio. Donc ici je peux choisir ma bande de fréquence, donc ici je suis sur le canal B. Je descends, j'ai le channel, ici je suis sur le channel 1, donc il me donne ici la fréquence que ça donne. La puissance power, je peux modifier ces paramètres. Voilà, je peux passer 25 milliwatts, ce qui est autorisé en France, et je peux monter jusqu'à 800 milliwatts, avec lequel je ne volerai pas en France. Voilà, donc... vous avez ici ce que vous pouvez faire avec le Smart Audio, surtout si vous voulez avec d'autres personnes, vous avez envie de modifier votre canal pour pas que ça mange sur le canal des autres. Voilà, vous pouvez modifier par ce biais les paramètres de votre VTX. Donc c'est toujours bon à savoir, c'est bien, parce que bon, c'est juste un câble à souder en plus, mais ça vaut vraiment le coup. Donc je reviens pour sortir. Je n'oublie pas de... Voilà, je ne vais pas le faire ici, mais je peux sauver et sortir. Et voilà, je retrouve mon OSD comme il l'était.
voilà, donc je vais dans l'OSD et là je vais pouvoir visualiser un écran là qui simule ce que je vois dans mon masque. Et là j'ai tous les éléments que je vais avoir envie de mettre dans mon OSD, c'est-à-dire les événements que je vais pouvoir voir en temps réel lorsque j'aurai mon masque ou mes lunettes. Alors moi je mets voilà, les avertissements. Voilà ici le voltage, on a l'exemple qui est donné là. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? Le canal VTX. Ça me permet de voir sur quel canal je suis. La consommation. C'est assez pratique pour voir combien on a pompé au niveau de la batterie. En fait, c'est pas celui-là que j'utilise, c'est celui-là. Consommation en ampères de la batterie, sachant que cette info doit être calibrée, parce que sinon vous risquez d'avoir des informations un peu bizarres. La voyez sur d'autres tutos, ou peut-être qu'un jour je ferai un tuto là-dessus. Ces petits trucs là, ces petites infos, je peux les placer où je veux dans l'OSD, donc c'est toujours assez pratique. Quoi d'autre? Je vais pas passer en revue toutes les options, je vais juste voir moi les points qui me semble important. L'horizon artificiel, certains aiment bien, moi je le mets pas. Vous avez des données aussi, latitude, longitude, GPS, si vous avez un GPS dessus. Les minuteries de vol, j'en utilise une. Ça permet de voir la durée de mon vol, ce qui est pratique aussi pour voir l'état de santé de ces batteries. La qualité du lien, on appelle le LQ, c'est en fait la qualité de la réception radio. Vous avez la qualité du lien qui est ici, voilà le LQ, et il y a aussi une autre valeur, ce qu'on appelle la valeur RSSI. Alors là pareil, il y en a qui sont pour l'un, pour l'autre, faut bien paramétrer ces différentes données. Paramétrer aussi sa télécommande. Là, je vous encourage à voir le blog d'Oscar Liang qui explique bien tout ça là, parce que je maîtrise pas. Moi, disons qu'en général, je mets la valeur RSSI et je vois si elle baisse. Après, on peut faire pas mal de choses avec ces deux paramètres, donc à fouiller quoi. Je ferai un jour peut-être un tuto là-dessus, le jour où je pigerai bien ça, mais. Voilà, moi je garde le RSSI et si je vois baisser, ça veut dire que j'ai moins de réception avec ma télécommande, donc là je commence à faire gaffe. Je mets également, si je suis en mode accro ou en mode angle, mode de vol, ça permet de voir si je suis en stable ou accro. Voilà, parfois je suis un peu perdu dans mes switches, donc là ça me permet de voir où j'en suis. Donc là vous avez le type d'OSD, alors après à vous de faire celui qui vous conviendra, de mettre les différents éléments où ça vous conviendra. Et on voit tout l'avantage de passer par la carte FC plutôt que d'attaquer directement la caméra, parce que sinon on n'a pas toutes ces données et on a quand même des choses vraiment très très pratiques. Et d'ailleurs j'ai pas mis, mais alors l'essentiel, l'essentiel c'est le voltage de la batterie. Si on avait qu'à 1 mètre, ce serait celui-là. Et je l'ai pas mis. Voilà, tension batterie. Toc. Tension batterie. Celui-là. Les autres, je pourrais à peu près m'en passer, mais celui-là, voilà, ce qui, j'ai toujours un œil dessus. Voilà, ça va me permettre de ne pas tuer mes lipos, parce qu'il faut pas descendre trop bas. Et en plus, il me fournit une alarme. Quand il voit que je m'approche de la fin de batterie, quoi, et donc vraiment celui-là pas à mettre absolument sur tous vos drones. Vous préserverez ainsi vos batteries et puis vous pourrez gérer votre vol en fonction de la tension restante au niveau de la batterie. Donc voilà, l'OSD, enfin moi j'ai mis ce que je souhaitais avoir sur mon écran. Voilà, donc ma partie vidéo là pour ce drone là, ben, je peux dire que tout est fonctionnel quoi. Je peux passer à la partie suivante qui va être la partie radio.
Là, on va voir, c'est pas très compliqué non plus à câbler, mais il y a quelques petites choses à voir après pour que le système cause avec ma télécommande. Voilà, je vous laisse. Donc, c'est tout pour la partie vidéo. Et là, j'ai rien cramé, c'est bien. À plus. Donc voilà, j'ai ma partie vidéo que j'ai testée, qui fonctionne. Donc j'ai quelque chose de bien. On va passer à une autre partie là, c'est savoir la réception avec la radio. Donc j'ai ma radio, c'est une Taranis, qui va transmettre les infos pour que je commande mon drone. Et mon drone va donc recevoir les données sur la carte mère, pour pouvoir après faire ce que je veux. Pour transmettre les infos de la carte mère à la télécommande, on va passer par ceci. Alors c'est quoi? C'est un récepteur radio. J'ai pris un TBS Nano RX, je crois qu'il s'appelle comme ça, de la team Black Sheep, sachant que bon, au niveau réception, ça fait partie, c'est quasiment eux les meilleurs. Donc voilà, la team Black Sheep, récepteur Nano RX. Pour ma télécommande, vu que je travaille avec la team Black Sheep, donc j'ai installé sur ma télécommande ceci. Donc c'est l'émetteur TBS, micro je crois. Et donc je l'installe sur la Taranis, et après je vais pouvoir travailler et commencer à installer. Donc il va falloir que la télécommande dialogue avec le récepteur radio, une chose à régler. Une deuxième, il faut que votre récepteur radio dialogue avec votre carte FC pour que vous puissiez piloter votre drone. Alors donc deux choses à faire donc pour que l'ensemble dialogue bien. Donc on va voir comment faire dans cette vidéo. Donc là, c'est mon Nano RX avec accablé. Attendez, je reprends sur le site internet. Donc, on a quatre. Quatre pinoches. Voilà, avec le bouton de bind qui est ici pour se repérer. J'ai donc ici la masse GND, ici le plus 5 volts à mettre, ici donc channel 1, et quand je regarde channel 1 sur le repère, le channel 1 correspond au TX. Channel 1 égale TX. Ici, channel 2 égale RX. J'ai donc mes quatre pads à souder avec la masse GND, le 5 volts, le channel 1 qui correspond à la transmission TX, le channel 2 qui correspond à la réception RX. Après, j'ai ma carte FC. Alors, ma carte FC, je vais vous faire un schéma. Voilà, bon, c'est très très schématique. Je vais avoir mes quatre pads sur ma carte FC. Alors le GND, donc là facile, toc, GND branché, plus 5 volts, il va sur le plus 5 volts de ma carte FC, comme c'est indiqué sur le schéma. Donc, quelle que soit la carte que vous aurez un peu ce même genre de configuration avec les RX, TX et les alimentations. Donc ici, ma carte, mon Nano RX, il est alimenté. Maintenant, il faut qu'il cause avec ma FC. Donc sur ma carte FC, j'ai bien le. Ici, j'ai le TX3 que je vais utiliser. Alors, c'est arbitraire, hein, j'aurais pu choisir celui du bas, le TX6. Donc, TX3 et RX3. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la transmission doit aller sur la réception et vice versa.
la réception doit aller sur la transmission. Voilà pourquoi cette pinoche là, le TX, je vais le monter sur le RX de ma carte FC. Et le RX, tac, je vais le brancher sur le TX3 de ma carte FC. Donc si je fais ce câblage là, normalement, donc d'une part je suis sûr au niveau alimentation déjà, je vais voir si c'est alimenté, ça, j'ai des LED vont s'allumer, à savoir est-ce que la Nano RX dialogue bien avec ma carte FC. Ce qui peut être fait dans un premier temps, c'est déjà de faire ce qu'on appelle un bind. En dessin, tac, 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 tac. Voilà, on prend la télécommande qui va émettre des ondes. La Nano RX aussi, elle a une antenne schématisée ici. Donc, est-ce que ce qui est envoyé par la télécommande est reçu par mon antenne? Ça, on va le savoir en faisant ce qu'on appelle un bind. Il y a plusieurs manières de le faire. Moi, j'ai choisi l'option informatique, à savoir que si vous voulez binder, obligatoirement, mettez à jour avec l'agent TBS, mettez à jour vos émetteurs Crossfire, votre émetteur et votre récepteur Crossfire. Ils doivent être sur la même version. Sinon, vous pouvez chercher très longtemps, ça ne marchera jamais. Donc, première chose à faire avec le Crossfire, mettre en route l'agent TBS qui se télécharge sur le site TBS et mettre à jour l'émetteur plutôt Crossfire ici, le mettre à jour et mettre à jour également le récepteur. Donc ce qu'on va faire, on va alimenter, déjà je vais mettre la masse, le 5 volts, lui je l'alimente pour qu'il soit vivant. Et dès que je l'ai alimenté, je vérifie, je vais faire en sorte qu'il dialogue avec ma télécommande. On va voir la méthode, sachant que on va utiliser la méthode logicielle avec le TBS agent qui permet de faire ça vraiment très facilement. Je sais qu'il y a d'autres solutions, il y en a qui font ça directement depuis la télécommande. Moi je trouvais que la solution informatique était vraiment, vraiment top, était simple et facile à mettre en œuvre. Et vous retrouverez la même méthode pour beaucoup de matériel de chez Team Blackship. Bon, déjà je vais alimenter. Ce qui va me permettre d'alimenter le récepteur radio. Et on va déjà voir si ça vit, évidemment il y aura des petites têtes qui vont s'allumer. Donc je branche. Voilà, donc là déjà je sais que mon récepteur est bien allumé. Donc voilà, ça fonctionne. On va alimenter l'émetteur direct. En USB. Voilà, donc il est vu apparemment. Surtout si vous avez besoin, enfin si vous n'êtes pas à jour, mettez à jour le firmware. Il ne faut pas oublier que si vous avez d'autres appareils qui utilisent qui utilisent le récepteur TBS, il faut également les mettre à jour. En fait, il faut que tout soit à la même version. Là, on est à la version 6.19. Il faut donc que mon récepteur là soit également à la 6.19. Sinon, ça marchera jamais. On aura beau essayer dans tous les sens, ils vont pas binder, ils vont pas dialoguer ensemble. Je me demande si je veux updater. Je confirme. Ah voilà, donc là, je ne sais pas sûrement des choses. Il clignote, il reste fixe en bleu, ça veut dire que ça envoie les données.
Et j'ai un suivi de ce qui se passe. Déjà, les deux causes, c'est bon signe. Donc, on rappelle LED fixe bleu et LED clignotante verte pour indiquer qu'on est bien en train de charger la mise à jour. Binding, OK. Bon, bah, ça veut dire qu'on a fait ce qu'on devait faire, quoi. J'ai pas eu de galère. Avec l'habitude, en 2 minutes, c'est fait. Mais c'est vraiment très très rapide de faire avec le logiciel TBS Agent, donc je recommande vivement. Tout ce petit monde est soudé, j'ai bien croisé mes RX et TX. On va jouer avec la télécommande et on va voir comment ça réagit au niveau de Betaflag configurateur. Bon, connexion. Donc voilà, j'aurai bien mon drone. Alors au niveau des ports, il faut que j'aille dans URT3. Tac, je mets Serial RX. Donc c'est du liaison série, de ce que j'ai compris. Je vais dans configuration, donc en déchot 300, oui, ça marche. Ça je laisse. N'hésitez pas à consulter d'autres tutos plus précis. Là je vais vraiment dans les je vais à l'essentiel, quoi. Je passe pas en revue toutes les options qu'offre Betaflight. Alors donc nous avons, c'est du RX série. Alors là j'ai tout un tas de protocoles que je peux choisir. La CRCF, c'est le Crossfire. Donc, je vais sauvegarder et redémarrer. Je vais sur connexion, je reconnecte. Je vais sur récepteur. Et là, je devrais voir si j'alimente ma télécommande. Il devrait y avoir des choses qui bougent. Donc bah, y a un truc qui va pas, je sais pas quoi. Voilà, donc finalement j'ai fini par trouver. Ça a pas duré trop longtemps. Le problème que j'avais, je sais pas si vous voyez sur l'image de tout à l'heure, j'avais le port URT1 qui était aussi en serial RX. Et apparemment je peux pas avoir deux ports en serial RX. Donc j'ai désactivé l'URT1. J'ai bien vérifié, voilà, quand je vais dans la configuration, que je suis en en RX série, d'où le RX sur le canal 3 sur ma carte ma FC, en Crossfire CRSF. Ensuite je vais sur mon récepteur. Et là, au miracle, quand je bouge les boutons, ça bouge aussi. Je sais pas si vous notez ici, quand j'appuie sur le throttle, en fait c'est le roll. Donc il y a un souci. Parce que mon throttle, il est là. Si le throttle, c'est ce truc-là qui s'appelle le roll. Ouais, donc il y a une inversion. Donc ça c'est lié à l'ordre des voix. Je prends le gros pneu. Voilà. Bah, c'était donc le TAR 1, 2, 3, 4 sur le. Ouais, et donc là je vois bien que mon drone réagit comme un drone normal. Ouais, tout ça va bien. Throttle, OK. Le yo, OK. Le pitch, ouais. Et le roll,
Donc tout est bon au niveau de ma télécommande. Les switches que j'ai assignés également fonctionnent. En général, je fais un double armement. Voilà. Ces switches-là fonctionnent. Le switch que j'utilise aussi pour modifier les modes de vol. Donc au niveau de la télécommande, voilà, c'est bon. C'est bien parce que ça veut dire que mon drone va pas tarder à pouvoir voler. Quand on a la radio qui envoie bien les infos, les moteurs qui tournent, la vidéo qui fonctionne. Après, il y a des réglages. Il y a aussi du montage qui peut être un peu fastidieux parce qu'il faut tout ce petit monde qui est un peu éclaté, là, il faut le mettre dans un espace assez restreint. Ça va sur ce drone-là parce qu'on a pas mal de place quand même. Donc là, je ne vais pas trop me plaindre, ça devrait le faire. Donc il s'agit après de monter le tout intelligemment pour que voilà, les fils ne se touchent pas, que voilà, les cartes ne sauvent pas en vol, c'est ce qui serait fatal. Donc voilà donc pour la mise en route du Crossfire. Maintenant je sais que entre mon récepteur radio et la carte mère, ça fonctionne, il y a bien un dialogue qui se fait, je le vois, je peux le voir ici, donc voilà, ça s'avance plutôt bien. Voilà, à plus. Voilà, donc on a déjà bien avancé dans le montage de notre drone. Si vous regardez les vidéos précédentes, on a commencé le montage, on a installé la liaison radio et la liaison vidéo. Maintenant, ce qui va nous rester, ça va être plus des petites choses, finitions. Petites choses par contre qui ont leur importance, notamment l'implantation des différents éléments pour qu'il n'y ait rien qui se promène quand on sera en vol. En fait, faut faire en sorte que tout tienne, qu'il n'y ait rien qui dépasse pour que ça ne se prenne pas dans les hélices. Voilà pourquoi ce que je fais souvent, je mets une hélice et je vérifie si voilà, il n'y a rien qui dépasse. Vaut mieux s'en rendre compte maintenant. Par exemple, je sais qu'avec ce connecteur, je vais peut-être avoir un souci. Je vais peut-être falloir que je le réinstalle. Parce que si je fais ceci, donc il va se trouver là. Et ça cogne. Et ça cogne et c'est pas bon. Donc voilà, première. Ouais. Je pense. Si je place comme ça. Ouais, c'est encore dans la trajectoire, donc oui, là il y a un premier vrai souci. Il va falloir que je trouve un câble plus long, je pense, pour pouvoir le mettre. L'idéal, ce serait de le mettre au bout, quoi. Voilà, donc finalement on a résolu le problème avec un câble beaucoup plus long. Voilà, on aurait pu le faire dès le début, mais voilà. C'est comme ça. Et donc, voilà ce qui va se passer. Voilà, ça, voilà, ça fait propre. C'est parfait. Alors oui, un point que j'avais oublié, j'ai acheté cet objet-là en TPU, c'est un support antenne, donc il me permet de mettre et mon antenne vidéo et de glisser aussi mon antenne, j'ai une antenne spécifique au module Team Black Sheep, et là ça va parfaitement bien. Je mettrai également ultérieurement mon GPS. Alors là je vais pas le faire tout de suite, mais par la suite je mettrai un GPS. Et donc n'hésitez pas à acheter ce genre de petit objet, là ça coûte pas très cher et ça rend vraiment énormément de service, ça fait un montage propre, donc voilà, n'hésitez pas en fonction du châssis que vous avez différents types d'objets en 3D comme ça, imprimés en 3D, et ça rend vraiment beaucoup de service. J'ai installé ceci, alors c'est quoi? C'est un buzzer auto-alimenté avec une batterie dessus, donc dans le genre V-Fly, je ne sais plus la référence de celui-là. C'est un buzzer qui va me se charger
quand le mon drone sera branché à la batterie, il va quand même être actif si mon drone se crache et que la batterie est éjectée. Ça arrive souvent. Et le problème, c'est quand il n'y a plus de batterie, on ne peut plus mettre en route le buzzer avec la télécommande. Donc ça peut être fâcheux pour le retrouver. Avec ce buzzer-là, déjà, il va voir quand il n'y a plus d'alimentation. Et donc, il va sonner à partir du moment où le drone n'est plus alimenté. Et aussi, on peut s'en servir comme un buzzer normal en utilisant la télécommande d'une manière très, très classique. Mais ça, je trouve ça vraiment indispensable. Ça coûte pas très cher, mais ça peut vous sauver votre drone, quoi. Alors pour ça, il va falloir que je vois aussi où est-ce que je vais brancher ce petit monde. Donc je reprends mon schéma de ma Mamba, mon buzzer. Buzz plus facile, buzz plus, buzz moins. On va avoir un montage un peu plus différent avec ce buzzer là. C'est-à-dire que je vais monter, donc je vais l'alimenter. Donc là je prends le plus 5 et le GND d'à côté. Et le buzzer plus sera mon fil jaune. Voilà, donc j'ai mis le buzzer. Je peux déjà faire un premier test, je l'alimente. Je vais attendre un petit peu que ça charge. Donc déjà je vois qu'il est alimenté. Et si tout va bien, quand je vais couper le jus, il doit se mettre à sonner. Donc. Voilà. Donc mon petit buzzer fonctionne. Je pense que je vais le mettre au niveau du bras, ici. Je vais voir si la hauteur ne vient pas me gêner. Non. Parce qu'il faut que ce buzzer soit accessible, parce qu'on a un petit bouton sur lequel on appuie pour l'éteindre quand il n'y a plus de batterie, quand vous enlevez la batterie. Donc il faut qu'on ait accès à celui-ci. Alors je vais voir où je vais pouvoir le mettre. Sur le bras peut-être, ou alors quelque part par là. Enfin on va voir. Mais en tout cas, il faut que j'ai accès à ce petit bouton. Finalement. Voilà, le buzzer, je vais le mettre ici, parce que même, voilà, si je mets le chapeau, tac, j'ai accès au petit bouton. Donc voilà, ça me semble être un bon choix là, ce petite place là qui est bien utile. Ça, du coup, ça fait propre, on ne le voit pas. On va utiliser le pistolet à colle. Et voici. Colle chaude. Fixer le buzzer. C'est pas destructif. On va faire pareil avec le récepteur. Surtout ne pas mettre la colle chaude directement sur un composant, parce que si un jour vous avez besoin de l'enlever, il y a de grandes chances que vous arrachiez les pistes ou vous abîmiez la carte. Ça m'est déjà arrivé, donc voilà, chose à ne pas faire. Voilà, mon récepteur radio est collé. Mon buzzer aussi, donc on va pouvoir fermer ce petit monde. Et procéder au réglage suivant. Voilà, donc on a refermé le drone. Bon, j'ai mis des vis en titane, alors c'est vrai que c'est plus léger que les vis normales, mais voilà, c'est surtout le côté couleur que je trouvais bien. Ça s'adapte parfaitement avec le côté chanfreiné du drone. On va maintenant attacher les câbles, notamment les câbles des moteurs là, pas laisser ça pendouiller parce que c'est toujours sujet à des pannes. On va utiliser pour ça des petits colliers.
après il me reste quelques réglages à faire avec Betafly. On va s'y atteler maintenant. Alors ce qu'il reste à faire également, c'est de vérifier l'essence des moteurs. Je vais dans Betafly, alors j'utilise un autre ordinateur parce que l'ancien que j'ai n'a pas Windows 7. Il n'a pas les dernières spécificités de Betafly. Une intéressante, c'est que on peut modifier l'essence des moteurs directement avec Betafly, ce qui n'était pas vrai avant. Et comme j'ai un vieux tromblon qui tourne sous Windows 7, je ne peux pas avoir la dernière version de Betafly. Donc là, c'est un autre PC. Alors je découvre. Hein. Je découvre Quadix. Direction du moteur. Je pense que c'est par là. Oui, je comprends les risques, bien sûr. Réinitialise tous les sens de rotation des moteurs, puis permet à l'utilisateur de choisir lequel inverser. Ça va être ça. Alors, démarrer, faire tourner les moteurs, cliquer sur le numéro de chaque moteur. Donc, il faut que j'inverse ici le 1 et le 4. Donc, je clique sur le 1, je clique sur le 4. Je vérifie, voilà, il tourne bien dans le bon sens. Donc mes moteurs tournent dans mon sens. Et ces nouvelles fonctionnalités de Betafly qui est vraiment, vraiment intéressant. On va voir comment affecter les différents switches de ma télécommande avec Betafly pour que voilà, ça puisse contrôler mon drone. Donc alors c'est vrai que moi j'ai une Taranis X9D qui se paramètre d'une certaine manière. Peut-être que vous avez une autre télécommande. Bon, je rentre pas dans ces détails là. Je pars du principe que voilà, vous avez affecté vos switches, que ça répond bien. Et donc on va rentrer dans les détails de l'affectation de ces switches vers le drone. On va chercher tout d'abord ce qu'on veut faire avec votre télécommande. Déjà l'armement. Alors au niveau de l'armement, personnellement j'ai choisi ce switch là, donc le switch A sur ma télécommande. Ce que j'ai choisi également, c'est que je vais armer uniquement si ce bouton là est actionné, ce qu'on appelle le double armement. C'est une sécurité. Si je veux armer mon drone, je dois donc appuyer sur cet interrupteur là qui va revenir et armer avec le bouton que j'ai prévu. Donc ça, c'est pour l'armement. Voilà la première chose que je veux. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est pouvoir changer de mode de vol, de passer du mode stable au mode accro avec ma télécommande. Ça, je le fais avec ce switch là. Donc ici, c'est mon switch G. Tac. Et donc ça me permet de passer de l'un à l'autre en cours de vol. Et enfin, ce switch là qui va me servir notamment pour le buzzer, qui va me servir à actionner le buzzer à distance quand je cherche mon drone dans les herbes. Voilà, c'est ce switch là que je vais sélectionner. Donc, 4 switches, pré-armement, armement, mode de vol et buzzer. C'est un paramétrage arbitraire, donc je l'ai choisi moi. Peut-être que vous choisirez d'autres boutons pour armer, là c'est à vous de voir. L'idée, c'est de garder les mêmes sur tous vos drones, comme ça vous avez pris l'habitude et vous avez les automatismes, vous retrouvez les mêmes commandes à chaque fois. Comment paramétrer? Donc, on allume la télécommande, le drone est alimenté, branché sur le PC et on démarre Betafly Configurator. Donc je vais dans Betafly Configurator, je vais dans les modes. Et dans les modes, je vais trouver chacune des fonctions. Donc on va commencer par l'armement. Donc je suis sur mon armement, je vais ajouter une plage. Et je lui dis voilà, en automatique. Et en fait, quand on est en automatique, il va en quelque sorte écouter pour voir quel switch je vais actionner. Donc j'ai dit mon armement, c'est celui-là. Voilà. Là, je vois que ici, j'ai bien mon curseur qui a bougé. Donc après, je vais régler la plage. Donc il faut que... Voilà. Là, j'indique ici que au moment où je règle mon armement, au moment où j'appuie sur ce bouton là,
Mon curseur se retrouve ici, donc je suis en train d'armer mon drone. Voilà, ici pour l'armement. Alors, on a vu qu'on avait aussi le pré-armement. Alors, le pré-armement, voilà, donc je l'ai ici, on voit pas très bien. Pré-arme, voilà, c'est pas très bien indiqué. Voilà, donc ici, je vais ajouter une plage. Ici, je suis bien sûr le pré-arme, j'ajoute une plage. Et donc, je vais, voilà, donc il a bien vu que c'était mon Aux 4. Je vais dire que, voilà, c'est actif lorsque je suis dans cette plage-là. Donc, à partir du moment où mon curseur est ici, ça veut dire que je suis en pré-armement. Donc, voilà, on a vu la partie armement. Maintenant, on va s'intéresser à la partie mode de vol. Donc, pour la partie mode de vol, je prends ici l'angle. En fait, je vais déterminer, je vais dire, voilà, en procédant de telle manière, je suis en mode angle. Et sinon, si je ne suis pas en mode angle, je suis en mode accro. Donc, ce que je détermine, c'est ici, je suis en mode angle. Et les deux autres positions, je passe en mode accro. Donc, je vais ajouter une plage. Donc là, je suis en automatique. Je vais pouvoir dire, voilà, c'est mon Aux 2. Il l'a vu. Et je vais dire que lorsque je suis ici, dans cette position, voilà, je suis en mode angle. Si je passe, voilà, à toute cette zone-là, je ne suis plus en mode angle, donc je passe en mode accro. Voilà donc la méthode que j'utilise pour régler le mode angle et le mode accro sur mon drone, voilà, en fonction de la situation dans mon vol. Il nous reste enfin le beeper. Alors le beeper, on va le chercher. Voilà, le beeper, il est indiqué ici, un peu légèrement en transparence, c'est pas très visible. Donc ici j'ai mon beeper, je vais ajouter une plage. Et donc je vais dire, donc je suis en automatique, c'est ce switch là. Voilà, donc une fois que tout est paramétré, je vais pouvoir vérifier que tout fonctionne bien. Donc je débranche de l'ordinateur. Alors je vois que je dialogue avec mon drone, hein, ça c'est ce qu'on a vu dans la vidéo sur le signal radio. Alors déjà on va passer à l'armement. Mon switch des gaz à zéro bien sûr, pré-armement, armement, et donc j'ai mes moteurs qui tournent. Donc voilà, ça veut dire que mon drone est bien armé. Donc ça fonctionne. Les modes de vol. Alors pour ça, j'utilise mon masque. Hop. Donc déjà, je peux voir. Voilà, je suis armé. Ici, je suis en mode angle. Donc ici, je suis en mode angle. Je vois sur mon masque. Je vais passer en mode R. Donc R mode. Mon switch de mode de vol fonctionne. Je vais arrêter désarmer. Voilà. Et enfin le buzzer. Voilà. Donc là, tout fonctionne comme je le souhaite. Regardez le fail safe. Alors le fail safe, normalement, j'ai paramétré dans la télécommande. Je coupe la télécommande. Donc là, je confirme. Voilà. Le drone tombe. Le moteur s'arrête. Donc là, mon failsafe est bien réglé, ce qui empêche en cas de perte de dialogue entre la télécommande et le drone. On n'a pas un drone qui part dans la nature, il va tomber, c'est sûr, mais au moins il n'ira pas très loin, quoi. Il y aura peut-être un peu de casse, mais vous pourrez le retrouver pour des questions de sécurité. Voilà, il faut que votre failsafe soit activé. Je perds la liaison, le drone tombe. Bon, j'ai plus qu'à mettre les hélices et puis on va pouvoir tester un premier vol à vue. Donc là, on est parti pour faire le premier vol. Premier vol que je fais en général à vue. Ça permet de voir précisément comment réagit le quad. En général, j'attache avec deux sangles.
arme. Ça a l'air très réactif. En tout cas, déjà, je peux dire que ça vole. Ça a l'air très très nerveux. Je l'ai ébroui. Bon, bah, c'est plutôt concluant. Je peux dire que ça vole. On va pouvoir faire le test avec le masque. Ça vole plutôt pas mal. Bon, bien sûr, il faudra le régler un peu, ce qui est c'est très sensible, peut-être un peu trop sensible pour moi. Les moteurs sont pas chauds, donc c'est bon signe. Il a un comportement assez sain. Donc bah voilà, on a fini notre drone, notre Draka. Après, il y a énormément de paramètres qui entrent en jeu. Il y a notamment le réglage des PID, mais pas que. Il y a beaucoup de choses à ajuster que je ne maîtrise pas encore. Là, pour l'instant, on a réussi à le faire voler. C'est déjà bien. Je pense que mon prochain objectif, ça va être de mettre une puce GPS et voir ce qu'on peut faire avec ça. Et bien sûr aussi le régler pour qu'il tourne mieux, parce que je trouve un poil trop nerveux, quoi. Voilà, c'est tout pour notre vidéo. Donc bon vol à tous.